Kerstin, j'espère que vous allez bien. Et ce soir, je vous retrouve sur Age of Empires 2 Definitive Edition pour le début de la nouvelle campagne de l'extension de Forgotten, la campagne de Sforza, donc qui se passe en Italie. C'est l'une des campagnes apparemment les plus difficiles du jeu, de ce que je viens de dire. Du coup, j'ai tout de suite lancé juste mon chat pour que si jamais il y a des gens qui se pointent, bah, que je puisse les lire et discuter un petit peu. Les Sforza, donc. Ça se passe entre la 1427 et 1450. Donc attendez, hop, un instant, je cherche mon chat. Où t'es toi? Où t'es coquin? Ah voilà, parfait. Donc alors, les Sforza. Quand les princes italiens étaient trop lâches pour se salir les mains, ils payaient des mercenaires comme Sforza. Ce dernier vendait ses services aux plus offrants, cherchant sans cesse de nouvelles chances de s'enrichir. Parviendra-t-il à réaliser ses ambitions ou se fera-t-il trahir à son tour? Dans cette campagne, vous incarnez les Italiens. Donc 5 scénarios. Premier scénario, donc j'avais fait cette campagne il y a très très longtemps, avant qu'ils mettent le système d'achievement de bronze, argent et bronze. Donc scénario 1, mercenaires et maîtres. Alors comme ça, vous voulez que je vous parle de Francesco Sforza? Je vais vous en parler. Sforza était comme moi, un condottiero, un mercenaire. Quand les princes italiens étaient trop riches ou trop lâches pour se salir les mains, ils nous engageaient. Ils nous payaient pour nous battre ou pour voler. Et lorsqu'ils ne payaient pas, nous nous assurions que quelqu'un le fasse. Nous n'hésitions pas à retourner notre veste. L'argent valait plus que l'honneur. Mais Sforza. Bonsoir Moment, bienvenue sur le live, Était désolé pour le retard, différent. j'aurais dû commencer à Il 22h, mais le j'ai eu un petit faisait pour empêchement, mais être moi. rien que grave. C'est pour ça qu'il accepta le Donc je vais vous contrat faire les deux premiers d'escorte. scénarios ce soir, comme on est Il mercredi, voulait comme se je suis faire un confiné, bon, nom, il y a le être télétravail, mais plus bon, ça qu'un va. simple fils bâtard d'un mercenaire mort. Il lui fallait un client, un prince ambitieux avec beaucoup d'ennemis et plus d'or que d'amis. Filippo Visconti, duc de Milan, était le client idéal. Ah, Milan. Une très belle ville, hein, sûrement. Visconti J'aimerais avait bien la visiter un l'ambition de jour. César, le courage en moins. Il était lâche et paranoïaque, mais avait le mérite de payer la plupart du temps. Et que ses ambitions impliquent des guerres avec Florence ou Venise, Visconti avait toujours besoin de mercenaires. C'est pourquoi il engagea des condottieri comme Sforza et Niccolo Piccinino, des hommes avides, en quête de reconnaissance. Ok, donc ainsi commence l'histoire et la campagne de Sforza. Donc apparemment, vous êtes les clients d'un certain duc Visconti de Milan. En 2021, tu pourras. Ouais, mais il faut les sous aussi, et je t'avoue pas. Je suis quelqu'un assez solitaire. Voyager seul en Italie, quand on connaît pas la langue, c'est un peu compliqué, tu vois. Là, je trouve quelqu'un qui parle bien italien, je serais tranquille. Ça fait un peu profiteur, hein. Et au passage, je voulais bah, remercier tous ceux qui me suivent sur Twitch et YouTube. Bah, bon, on est à une semaine des 4 ans de ma chaîne, hein, c'est pas le souci. Mais vous êtes désormais 900 MC sur YouTube et 60 sur Twitch. Bah, merci à vous. J'espère que ça va se rééquilibrer un jour. J'essaierai de faire ce qu'il faut pour rééquilibrer la donne et que Twitch soit un petit peu plus suivi. J'essaie de trouver des nouvelles idées niveau com et tout. Bon, j'avoue que là, le petit retard de stream, c'est pas sérieux, hein, qu'on se le dise. Mais bon, là j'essaie de rattraper, donc ce soir je vous fais au moins les deux premiers scénarios. Alors, objectifs principaux, échappez-vous de Bresque. Oula. Seul un fou mourrait ici pour quelques piècettes. Venez, soyons-nous un chemin hors de la ville et retrouvons mon cousin Francesco. Vite, on va se barrer avec la cavalerie. Vous ne laissez pas ces scélérats vénitiens faire de brèche à votre tombe. Bon, on va vite se ressortir nos cavaliers. Les Vénitiens ont pris brèche. Nous ne serons pas payés à moins de reconquérir la ville. Mais méfiez-vous de ce bastardo de Carmagnola. Il nous attaquera. Ok, donc on va regarder un peu notre situation diplomatique. Nous sommes en guerre contre les Florentins, Carmagnola et les Vénitiens.
Notre objectif est de battre les Vénitiens Bereskia. Ok. Sforza, ville crapule. Je sais que votre cousin a livré Brescia aux vermines vénitiennes. Peu importe, cela fera plus d'or et de gloire pour nous. Oui, t'as raison, Coco. Bon, on a déjà des comptes de tiers ici. On a une cavalerie légère, on va aller loin avec ça. Mais bon, on va déjà commencer à explorer. Donc, on a un peu de ressources. Le but, on va faire quelques moines. C'est un fiasco, Sforza. Je ne devrais pas vous payer, mais prenez ceci. Et ne me décevez plus, ou je vous ferai assassiner pendant votre sommeil par Piccinino. J'ai déjà formé un contingent de comptes de tiers. Et, est-ce qu'on a des canonniers à main? J'ai pas l'impression. On va en former quelques-uns aussi. On a un cavalier. Donc on va essayer de passer aussi à la cavalerie. Ça va être important. On va voir si on peut faire des améliorations. Donc j'ai déjà amélioré mon infanterie défensivement et offensivement aussi pour aussi aider les cavaliers. Je vais déjà faire 3 cavaliers supplémentaires. Donc on a un marché ici. Non, c'est pas un marché ça. C'est un moulin. En tout cas, cette campagne, dans mes souvenirs, je l'avais joué un petit peu dans l'ancienne édition de la HD. Elle a bien changé. Hein. Ouh, j'ai des moutons. Ah oui, mais on peut pas les bouffer, c'est vrai. On n'a pas de villageois. Donc à mon avis, Piccinino va faire des attaques. Donc il y a un marché, il rapporte que 13, mais bon, c'est toujours ça de prix. Bon, Sforza il a l'air bien tanké au tir, hein. C'est plutôt une bonne chose. Et je sais que de mémoire, les comptes de tir, je vais vérifier, mais il me semble que c'est une infanterie anti-poudre à canon, quoi. Je veux bien relire. Infanterie anti-poudre à canon rapide, puissant contre les unités à poudre à canon, mais faible contre archer et cavalier. Ok, donc on va. Alors, les Florentins, ils forment quoi, eux? Donc, infanterie, ok, archer, unité de siège. On n'a pas d'atelier de siège par hasard. Bien sûr que non. Oh putain! Ok. Donc on a localisé le camp des Florentins, ça va être notre première cible. Mais pour le moment, on n'a pas trop besoin de bois. On va former d'autres canonniers à main, si possible. On n'a pas d'atelier de siège, c'est le petit bémol que nous avons actuellement. Et je pense que dès que j'ai les fonds, je fais l'amélioration pour nos. Alors attends, je reprends un peu de bois. Ah, il nous manque encore un peu de bois. Donc, on va tout revendre le bois. Et je vais tout de suite faire l'amélioration pour nos canonniers à main, pour l'armure. Ça va être très important. Ouais, en art et en banque, absolument, Momon. Donc 12 comptes de tiers, 4 cavaliers. On a Sforza en plus pour donner du peps à notre infanterie. Il a 16 d'attaque le bougre, la foule. Il a un beau skin, je trouve. Même si je trouve que avec le petit béret, c'est bien style italien. Et là, je vous avoue, comme on est en Italie, et à la période de Renaissance, ça me fait penser un peu à Assassin's Creed, quoi. Trouvez-moi que vous le méritez. Donc 750 points d'or et de bois. Ouh. On va mettre l'arme de la cavalerie. J'ai 8 canonniers à main. Et bon, on va passer à 10. On a 12 cavaliers, c'est pas mal. Je vais rajouter. Il n'y a pas une autre écurie qui traîne. Je voudrais bien savoir s'il y a des reliques sur cette map. J'ai pas l'impression. Peut-être lui, il dort, hein, le rouge. Mamma mia. Allez, 10 canonniers, allez. Donc on a un autre cavalier. Honnêtement, je trouve qu'on a une bonne ligne d'infanterie. Hein. Et j'aimerais un peu mes moines aussi. Tiens, l'imprimerie pour faire de la conversion. Et récupération plus rapide après conversion. Moi, je dis pas non plus. Bon. 6 cavaliers, une cavalerie légère. Hein. Je pense que notre armée est prête pour aller s'occuper des Florentins.
Là, ici, on me dit qu'il y a un monastère. On va explorer un peu, on ne sait jamais. Il y a beaucoup de ruines dans ce coin. Punaise, la guerre en Italie, c'est rien. Hein. On déclare de la guerre, oui, oui, absolument. Donc, j'ai demandé aussi, j'ai rien aussi pour des conseils. N'essaie pas de combattre les Vénitiens avec la petite armée de Michelito. On va déjà s'occuper de ces connards florentins. Ce sera déjà un début. Et puis bon. Ah, en plus, c'est bien. Il a réagi. Il est content, mon allié. Il est tout fier. Il attaque les Florentins. Bon, on va l'aider à l'attaquer. Vous avez vu la cavalerie. 6 cavaliers, hein. Ah, il vient sur moi. Donc avec notre cavalerie, on va déjà aller s'occuper de cette tour en priorité. 6 cavaliers sur une tour, hein. Je pense que ça devrait. En plus, c'est une tour de guet. Je ramène. On va affaiblir leur défense déjà. Parfait. Une tour vient de tomber ici. Cavalier, occupez-vous de ça là-bas. Ah bah c'est bien aussi. Occupez-vous de cette autre tour. Et on va commencer à raser le camp des. Attention ici, beware. Mais non, ne convertis pas toi. Fais pas le con, Francis. Bien. Je pense qu'on va vite reculer là parce que. Il y a un cavalier léger qui est en train de prendre le tarif. Ah, on a déjà perdu. Oh, on perd des gens là. Attention, messieurs. Ouais. Ouais, je sais, Momon, mais bon. Bon, c'est bien. On a perdu notre cavalier léger, mais il fallait s'y attendre. On va reculer. Non, tapez pas le marché, faites pas des cons. Ce marché peut être récupéré si on détruit les Florentins. Mais vous êtes con là les mecs. Youhou. Bon, tapez-moi cette tour. Bon, s'ils sont en point Sforza, pourquoi pas, j'ai envie de dire, ils régénèrent. Bon, vous occupez-vous de ça là-bas. C'est bien. On est en train de faire boire le bouillon au. Comment il s'appelle? Au Florentin. Putain, s'il pète le marché, l'autre con, je l'étrangle. Bon, c'est bien. La tour va tomber. Ouais, il dégage. Ça y est. Oh, il a pété le marché, ce con. Ok. Bon. On a déjà dégagé les Florentins, c'était pas le plus chiant. Il a rasé tout, vous embêtez, vous posez pas trop de questions, c'est bien aussi, de temps en temps. J'ai des gens qui agissent un petit peu, qui se remettent un peu derrière. Hein. Pour le temps que j'ai un allié efficace dans un. Tu vas dire Vampire, je vais pas râler quoi. On rase toute la base, hein. On fait comme si les Florentins n'étaient jamais venus. Ah, mais Forza, il est vraiment fumé, hein. En ce terme de stats. Bon, nous est-ce quoi? 6 cavaliers. On n'a perdu qu'une condottierée dans l'affaire, c'est cool. Et je vais rajouter 2 cavaliers. 4 canonniers à main. Et je crois que je vais aussi faire quelques tirailleurs d'élite parce que, à mon avis, contre le jaune, là, comment il s'appelle, Carmagnol, là, on va en avoir besoin. Qu'est-ce que j'allais dire? Et quelques piquets, ce serait pas trop non plus. Hein. Et je vais refaire 2 moines avec. Parce qu'on me dit que Carmagnol, là, ça va être un gros client.
Bon, on se pose pas de questions, on produit. Par contre, là, j'aurai besoin du brassard, effectivement. Là, ça va être pertinent pour des tirailleurs d'élite. Donc, notre armée victorieuse revient. Je ne vois pas de relique sur cette map. Bon, on est pas mal. Et 8 cavaliers. Pour en être piqué encore. On en est à 6. On en produit encore 2. Je pense que 8 piqués, ce sera un bon contingent. Il y a une erreur dans mes comptes. Vous ne recevrez pas le prochain paiement. Vous êtes un condottiero ingénieux. Vous en sortirez. Alors. Oh, ils ont un monastère, les cons. Dans le doute, je vais former. Visconti est vraiment un salingrat, n'est-ce pas? Je vous suggère de piller les ressources sur les marchands locaux. On ne s'enrichit pas en restant. Oui, bah oui, t'as raison. Si tu crois que j'ai pillé les marchés de Visconti de l'autre là. J'ai 14 canoniens. Hein. Ajoute-moi 2 cavaliers. Et les hussards, je vais les garder, c'est pour les moines. Si jamais le jaune il fait des moines, ça sera une bonne source déjà. On se compte 2 tiers. On va en rajouter 3 ici et 2 là. Là, je pense qu'on voit une bonne armée hein, pour aller s'occuper de, cet individu là, Carmagnol là. Il va vite décamper. Il n'y a que 2 marchés. En plus, celui-là, ça m'embête. Il rapporte 64, quoi. Encore celui à 13, je veux bien aller le raser. Le marché à 13, je vais le raser. Il rapporte pas d'or. Mais si, une fois que j'aurai... est-ce que je peux faire des charades de commerce? Ok, j'ai un marché, donc c'est bon. Ah, je peux même pas faire des charades de commerce, ah ouais. En gros, tout ça pour des prunes, c'est ça? Bon, allez, on y va. On va pas raser les monuments. Hein. Donc, je peux pas faire de charrette de commerce, donc on va se démerder. Désolé les marchands, c'est pas contre vous. Hein. Bien joué. Merci. On récupère de... Oh, 500 de nourriture, 300 d'or. C'est pas mauvais tout ça. Bon, bah en route. Hein. Alors, je vais faire un groupe. Alors, piqué, condottiere, tirailleur. Avec 2 moines en support. Il faut faire le tour, je suppose. Bah tiens. Tiens donc. Ce premier groupe va y aller. Le groupe cavalier, hussard, canonier à main et Sforza également. On va voir comment ils vont réagir. Donc là, ce qu'on a, ça va. Il y a une tour ici. Il y a pas, je crois qu'il y a 3 tours ou 4 maximum de ce que je vois. Je pense qu'il y en a une quelque part dans le secteur au nord. J'ai congédié mon comptable et réparé moi-même l'erreur. Vous aurez votre prochain paiement, mais sans... Monsieur est trop bon. Ça y est, un contingent de condottiere et de... Oh, il y en a un qui va passer un sale quart d'heure, là. Ok, on s'en fout. Par contre, envoyer que ça, excuse-moi, Piccino, Piccinino, machin chouette, t'es un petit peu faible. Hein. Je dis ça sans arrière-pensée. Là normalement nos troupes sont très bien équipées. Par contre moi ce qui me fait peur c'est de récupérer Braeskia là. Mais qu'est-ce qu'il fait? Non mais... Pourquoi j'ai des alliés cons moi? Ok, cavalier, à l'assaut.
Très beau travail ici. J'ai envoyé les 10 cavaliers s'occuper de ces piquets là. On va regrouper là. On va juste taper cette tour pour commencer. Oh putain, replie toi. Vite, occupez-vous de ce petit moine là, vite. Bon, ça va, c'est bien. Les comtes de tir de Piccinino vont l'occuper. La priorité, ça va être de dégommer le monastère. Hein. Allez. Allez. Ciao, bye bye. Arrivederci. Bon, le monastère, déjà, on va s'en occuper en priorité. Ou pas. Allez, venez là. Canonnier. Canonnier piqué, déjà, en combo. Ça. Et on va rentrer dans la base et foutre le bazar. Je suis sûr que Visconti est là. Je serais pas tenu qu'il finance Carmagnol là par derrière. Curieusement. Hein. Rasez-moi ce monastère, ce sera déjà un début. Très très bien. Ok, la tour là, on va la reculer. Et moins que vous allez me soigner ça. Allez, reculez. Tapez-moi ça là. Non mais faut se calmer, monsieur le prêtre là. Oh, bien joué. T'en as encore combien comme ça dans ton armure? Bon, c'est bien. Là on est en train de raser tous les tours là, si on pète vite leur défense là on va gagner un temps précieux, mais vraiment très précieux. Bien joué. Attends, qui convertit quoi là, j'ai pas compris. Et non mais, vous avez pas converti les écureuils non plus, soyez faites pas des cons. Bon, je pense que sans devoir vanter, ce premier scénario se passe plutôt bien. Plutôt très très bien. Allez, regardez-moi ça. Au revoir Carmagnol là. Et le 2. Parfait. Voilà. Alors l'armée, qu'est-ce qu'il nous reste? 15 coups. On va former une vague de renfort supplémentaire. Je vais rajouter 2 cavaliers. 5 condottieri. On va améliorer un peu des fantassins épais à hors de main. Les moins de 4, ça suffit, je pense. Et je vais former un contingent d'arbalétriers. Une petite dizaine. Très beau travail ici. On va aller raser cet autre marché à contre-coeur. Hein. Je veux juste savoir de quoi. Qu'est-ce qu'ils ont les Vénitiens? Ah, on sait pas. Ils ont tout n'importe quoi, c'est ça que ça veut dire. Quoi. Ok. Ok, très bien, j'ai compris. On rase le marché. Faudrait peut-être pas abuser non plus pour les murs, les mecs. Hein. Faut laisser des ruines pour la postérité. Parfait. Vous êtes méprisable, Sforza. Même les citoyens innocents paient pour votre avis. Bah, c'est votre faute aussi. Si votre pseudo-comptable était bon aux chiffres, bah, on n'en serait peut-être pas là, vous savez. Aïe.
Et là, j'ai regardé un truc pour un succès sur Age of Empires 2. C'est le succès d'Age of Empires, en gros, il manque plus beaucoup de factions à jouer au moins une fois pour avoir le succès. Je crois qu'il m'en reste moins de 10. Sur les 32 qu'il y a, c'est plutôt cool. Donc j'ai joué au moins les deux tiers des factions. Et je me sens dans cette campagne, il n'y a pas de succès Steam de mémoire. On va essayer de tester les défenses là. Alors qu'est-ce qu'on a? 5 fantassins. Tu vas m'en rajouter 2 là s'il te plaît. Champion direct, hein. On se pose pas de questions. On vend un peu de bois. Et là on va commencer à former un contingent de fantassins épais à 2 mains qui vont devenir des champions. Comme il sait l'infanterie de base qui est puissante, je rappelle. Alors, j'ai déjà embarqué, il me faudrait 2 hussards supplémentaires hein, si jamais des moines pour les shooter. Tu joues la deuxième branche de la famille Sforza. D'accord mon moine, parce que dans mes souvenirs, il me semble que dans la HD, le premier scénario, ça raconte un petit peu le père de Sforza qui s'est fait emporter par une rivière, un truc comme ça. Mais c'est un vague souvenir que j'ai. Hein. Donc, Donc 14 canons à main et 8 piqués, ça devrait le faire, je pense. On voulait pour les champions. Très bien, champion au combat. En tout cas, merci à ta présence, Momon. Pour le moment, t'es tout seul à ce humain-là, ça fait bien plaisir quand même. Au moins, s'il y a quelqu'un qui est satisfait, c'est déjà un début, même si c'est pas de la top qualité par rapport à d'autres streamers, hein, mais bon. Alors, le plan. Oh, par contre, là, les ressources, c'est un foison, là. J'ai déjà envoyé les cavaliers ici pour supporter. Il nous reste combien d'archers, là? Ah oui, j'ai oublié les fantassins, merde. Allez, on va passer à 20 canonniers à main. Plus on est fou, plus on rit, n'est-ce pas? Comme ça, la caméra bouge vite, ça c'est un avantage. Et les Italiens n'ont pas accès aux paladins. Mais tant mieux d'un autre côté. Je vais développer aussi la théocratie pour les moines. Ça peut être utile s'il y en a un qui fait le con. Quelques tirailleurs d'élite aussi. 4 hussards pour choper des moines, je dis oui. Je dis oui, oui, oui. Je vais mettre les canonniers à main sur la colline. Ok. Par contre, on en parle de l'abus des portes là. Bon, on va essayer de shooter des tours à distance. C'est des tours de garde, ouais. C'est costaud, effectivement. J'ai surveillé l'état de santé de certains de mes cavaliers. Par exemple ceux-là. Reculez, reculez. Reculez, reculez tous. Bon, c'était plutôt une très bonne attaque sur cette tour. J'ai bien apprécié. Bon, ça veut dire que là, entre la vitesse 1.7 et le temps réel, il y a 11 minutes d'écart environ, de ce que je viens de voir, parce que là, sur le stream, ça fait 29 minutes, bientôt 30, et là, je suis à 40 minutes, donc il y a 10 minutes d'écart, ok. Et là, on va avoir un beau renfort d'infanterie. Ça va aider pour la prise de la cité. Donc, j'ai continué à shooter la tour, là, avec mes canonniers à main. Ils ont fait le boulot. Parfait, une tour en moins. On va commencer à moucher la seconde. Les renforts vont arriver.
commencer, continuer à taper la tour. Il y a une erreur dans mes comptes. Vous ne recevrez pas le prochain. Vous êtes un condottier. C'est bien joué. Très beau travail ici. On a ventilé une partie de leur armée. Les moines vous revenez. J'ai envie de lui faire un peu explorer. Ils n'ont pas de cavalier pour le moment, ce qui est assez étonnant. On va essayer de voir ce qui peut nous attendre là-dedans. Oh putain, il y a de la cavalerie, ok. Bon, voilà, canonnier à main contre l'arbalétrier génois, ça décoiffe. Hein. Ah ok, Jiu Kamzo, ok, machin chouette. Vite, recule-toi, tu vas te prendre une flèche paumée, c'est tout ce qu'on va gagner. C'est Jankomuzo, Dandalo, fondateur des sciences. D'accord, mon man. Entraîné par une rivière, un truc comme ça. Une chouette fin, quoi. Il y a une barricade ici. Oh putain, arbalétrier génois, d'accord, ok. Et qu'est-ce qui est bon contre les tireurs? Bah les tirailleurs d'élite. Ah là, te voilà toi. Ça, ça les démolit, ça c'est cool. Par contre, ils sont un petit peu dégueulasses dans le jeu, parce qu'une panne donnée d'armes de siège, je trouve ça un peu dégueulasse. C'est honteux. Donc là on va essayer d'avancer, donc j'ai repéré qu'il y avait des tours dans le coin. Et des barricades aussi, bon, on va les exploser les barricades. Je pense qu'avec 5-6 cavaliers dessus, ça devrait faire le taf. Ils ne traînent pas trop. Reculez, reculez. Ne vous faites pas tuer inutilement s'il vous plaît, c'est pas le moment. Très beau travail. Ah, ouh, beware. Voilà, donc tout ça, c'est réglé. Une poignée de tireurs en moins, c'est toujours ça de prix. Ils sont pas, je commençais de se noyer, je voulais aider plus frais. Avec le poids de l'armure et tout ça, en gros, ça nous a fait une barbe rousse, quoi, à peu près. J'ai congédié mon comptable et réparé moi-même l'erreur. Vous aurez votre prochain paiement, mais sans armée. J'ai même pas une armée fou là. Je dis ça, je dis rien. Bon, les tours là, le problème c'est que ça fait un peu le défilé. Donc ce que je vais faire, genre, je divise en deux mes cavaliers là. Il faut détruire ces tours. Hein. Bon, ça va. Normalement, nos cavaliers encaissent bien. Je pense que les tours vont vite tomber sur le papier. Quoique lui il va pas encaisser longtemps en fait. Je vais me barrer. Parfait, ici les tours c'est bien. C'est tombé. Il reste encore du vénitien ici. Bon, on va aller les chercher par la peau des fesses. En gros ça va être tu sors ou je te sors. Au choix. Ça on va éviter les conneries. Donc là, je vais envoyer mon contingent de canon à main. Je suis sûr qu'ils ont encore des troupes planquées. Et à mon avis, ils sont là, ces salopards. Oh. Donc l'aîné hérita des seigneuries de la famille en Romaine, le cadet de la duc de Milan, le troisième des terres dans les marches. D'accord. What? Retirez-vous au bastion, tout ce que vous voulez. On perd un canonnier, bon tant pis. Donc là on a attiré le gros de l'armée.
Il y a un petit peu du monde ici. C'est bien, d'un côté c'est du combat de rue, ça les confine quoi. Bien joué. Très très bien joué. Il y en a juste un qui est à moitié mort, mais bon. Non mais t'es suicidaire toi. Bon, on va pousser avec eux. Champion et canon à main, ouais. C'est bon. Vous êtes encore combien dans votre armure? Oh là là, les champions, ce que je leur mets. Ouais, il y en a ce qui débarque. Ouh, c'est quoi tout ça là? Ça sort tout ça? Typiquement, des fois je produis des comptes de Thierry. Il ne doit plus en rester tant que ça, si. Et là, bien sûr, on sort 4 tours. Hein. Le grand jeu. 1, 2, 3, 4. Oh putain! Bon, c'est tout. C'est fini, oui. J'ai trop vu pour ces conneries, moi. Les tours font ressortir une barricade, c'est ça? Allez, approchez si vous avez du cran. Non. Qu'est-ce qu'ils nous mettent mal? Il y a un truc là. Les wololo, j'ai rien contre les wololo, mais là j'en ai un peu marre des wololo, vous voyez. J'en ai ras le cul. Compte de Thierry. Ils sont encore combien? Les hussards là. Est-ce que vous pouvez aller me chercher ce monde? Ouais, ouais, il y a... Oulolo, 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 oulolo. Oui, oui, il y en a assez comme ça, des prêtres. Hein. Je te jure, convertis-moi un hussard, je crie au scandale. Tiens, pouf. Que t'es bien mort. Et donc, en gros, là, il va falloir péter la porte. Ok, j'ai compris. Bah, on va y aller à coup de champion, hein. C'est les seules unités qui sont les plus puissantes à l'heure actuelle. Quand j'ai mon allié qui tape des murs, je pense à la phrase de Scar dans le Roi Lion. Je patouche dans l'imbécilité. Je comprends exactement ce qu'il ressent là. Allez, tapez-moi cette porte qu'on en finisse. C'est dommage que j'ai pas l'ego. Hein. Alors là, les portes, elles te tomberaient comme du petit pain là. J'ai sacrifié les champions s'il faut. C'est bien, la porte elle va tomber. Il déblaye bien les champions, c'est bien. On pousse. On pousse. What? Faut pas me dire que... Non mais. D'où ils sortent? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Ils sortent de cette forme, mais tu te moques de moi le jeu là. En gros, faut dire toutes les tours, c'est ça? Bon, allez, toute l'armée sur les tours, là, on ventille tout ça. Je vais m'envoyer mes tirailleurs, j'en ai rien à foutre. Allez, me péter ça.
canonnier au cul au ciel. Allez, tant qu'à faire. Toute absurde de feu là-dessus. Vénitien à la con. Voilà ce que j'ai envie de dire. Malgré nos amis italiens que j'apprécie, que je respecte, mais là, vous êtes chiants, les gars. À cette époque-là, vous êtes très chiants. Fais la volonté. Attends, il y en a encore? Mais ils sont où? Je vais explorer par là, mais bon. Je veux pas devoir détruire les murs, hein. Faut rater le foutage de gueule aussi là. Bon. Explorer avec ce qu'on a là, mais. Tu vas pas me dire qu'il y a un éclaireur qui est en train de patrouiller dans la campagne et que c'est lui qui va chercher. Ça m'étonnerait grandement, mais bon. T'es sérieux, le jeu? Tu vas me faire chercher un gars pour rien? Bon, et le côté positif, là, c'est vide. Mais ils sortent en course, là? Ils sont déconnus, les mecs. Faut vous calmer, là. Il n'y a plus d'Italiens. Qu'est-ce que tu me parles? Les Italiens ne sont plus, là. Non, il n'y a pas de galère, mon monde. Ça m'étonnerait. Je vais pas trop vite dans la campagne, on verra. Hein. Je suis sûr que c'est un connard comme ça, encore. Hein. Après, je suis pas allé par là, tu vois. Je vais aller voir. Ah non, il n'y a même pas un... Il n'y a personne. Dis donc, vous avez pas autre chose à foutre que taper les murs? Non. Je suppose qu'avec le lucard, je peux pas explorer. Ah bah non, je peux pas explorer. Chouette. Donc je suis en train de chercher après un clampin qui est je ne sais où. Cool, hein? Cool, ma vie. On va explorer, hein, qu'est-ce que je te dis. L'autre côté sombre, à un moment, comment tu veux que je sais pas si je peux y accéder d'ailleurs, tiens, bon, je vais aller voir, mais. Putain. Tu vois, Momon? Je peux même pas y aller. Il y a une erreur dans mes comptes. Vous ne recevrez pas le prochain. Ils sont plus là, tes Vénitiens. Qu'est-ce que tu m'emmerdes? Y a pas un clampin qui s'est paumé, mais ça me parle pas. Je peux pas y accéder, c'est ça le problème. À moins que, attends. Attends. Je vais essayer, ouais, mais j'y crois moyen, mon menu.
Après ça, il est pas essentiel à la victoire, mais on va voir. Non, je peux pas y accéder. C'est quoi de ce scénario? Elle a mort moins le nœud. Attends, c'est qui ça? Merde. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? C'est l'espèce de dame là. Puis qu'est-ce que fait un âne là-dedans? Oh, des salopards! Trois comptes de Thierry qui s'étaient barrés. Bah, bien sûr. Bon, on va jouer comme ça, hein. C'est bon, il y en a plus. Dans votre gueule, les Vénitiens. Vous m'avez bien pété les couilles. Ouais. Et je pense à la chanson Je suis Itad et je le reste. Désolé, les Italiens, c'est pas après vous. Hein. Vous êtes chiants. Là, là, vous avez été chiants. Putain de compte de tir qui s'était barré en fait. Il n'y a pas de relique sur cette map. Bon. Visconti nous détestait et se méfiait de nous, mais il avait ses raisons. Son frère avait été assassiné par un condottiero sur les marches d'une église. Visconti vit le succès de Sforza comme une menace et prévit de le tuer. Mais au lieu de se mettre à l'abri, Sforza se confronta au duc en personne. Étonnamment, Visconti fut si impressionné par son audace qu'il abandonna les charges contre lui et offrit au soldat la main de sa fille, Bianca. Sforza devint ainsi l'héritier du duc. Belle manœuvre. Sforza était sournois, certes, mais ce n'était pas un lâche. Et son courage a toujours été récompensé. Je vois s'il y a d'autres gens sur le stream, au cas où. Eh ben non, Momenté tout seul. Bon. Bah, premier scénario terminé.